Skywalk, Zayday. Allez-y, faites-nous péter tout ça, on fait le clash là tout de suite. Allez, c'est allez. Parti. Attention, attention, attention. Ah. Attention, un clash exceptionnel ce soir. Je pense qu'on va le faire en un coup de fil. Je suis pas sûr encore, mais si vous arrivez à serrer... En un coup de fil, par exemple, ça serait si Cédric idéal. Serre le premier coup, il n'y aura qu'un coup de téléphone pour toi, Romano. Ah ouais, pression quoi. Et si ouais, Cédric serre pas et que tu serres le premier coup, eh ben on ne remettra pas une deuxième. Donc ça sera plié. J'aime autant vous dire qu'il y a quand même peu de chances qu'il n'y ait qu'un tour. Waouh, je fais monter la pression tout de suite. C'est parti pour le clash c'est de chaud. Le clash les de les plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. De l'autre, Cédric. Bah Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le clash de la drague. Allez, c'est parti. Wow. Alors à ma gauche, on va commencer par lui, parce que quand il vous offre un truc, faut en profiter immédiatement. Je dis ça aux nouveaux aux auditeurs et aux nouvelles auditrices de Skyrock. Si Romano vous offre un truc un jour, profitez-en tout de suite. Qu'est-ce que tu nous offres ce soir, Romano? Du rêve. Bah, j'espère vous offrir une victoire, la team Romano. Mais la victoire, c'est ensemble qu'on va la construire. Ce soir, c'est parti, on déchire le cul de l'autre. Alors, à ma droite, justement, il est là, c'est Cédric. Hein. Ouais. On déchire le cul du babouin ce soir. Mais garde la pêche, mon pote. L'autre, comme il se la raconte, c'est abusé, quoi. Cédric, en mode... En mode beau gosse ce soir, t'inquiète. C'est ça. Je vais te gérer ça, mon pote. En mode Nabila, non mais allô, quoi, allô, c'est abusé. Qu'est-ce que tu fais comme méthode, Cédric? Moi, ce soir, je vais faire la méthode de... Je vais bientôt me marier. Ouais. Et avant de me marier, j'aimerais bien m'amuser un petit peu avec... Enterrement de vie de garçon. Voilà, c'est ça, ouais, à peu près. Ah bah tu me demandes la prochaine fois, parle-moi avant Cédric, je te finirai ta méthode. Ouais mais non, parce qu'enterrement de vie de jeune garçon, tu sais, c'est avec des potes. Non, enterrement de vie de jeune garçon. Enterrement de vie de jeune garçon. De jeune garçon, mais non, d'accord. Mais de quel âge, jeune garçon, Cédric? Dégoûte ta méthode. Non, c'est enterrement de vie de garçon. Bon, enterrement de vie de garçon, après ça comme tu veux, je m'en bats les couilles. Oui. C'est des potes qui l'organisent en général, tandis que là, c'est moi-même qui me propose aux familles. Ah, je vais m'amuser un petit peu avant d'aller me marier, quoi. D'accord. Donc l'enterrement de vie de garçon de Cédric, attention. Bon, Romano et sa méthode à lui aussi. Ouais, c'est les vacances, donc je vais proposer à la femme de l'emmener danser et de la baiser sur le parking de la discothèque. Oh, romantique. Oh, du romantisme. Ou dans les chiottes, carrément, comme elle le veut. Les chiottes de la boîte. Même chez moi, c'est toujours la grande classe. Ah ben, c'est bien, ça permet de répondre à cette question qu'on se pose tous, nous les gars, quand on va en boîte. Est-ce qu'on va arriver à baiser sur le parking ou dans les chiottes ou est-ce qu'on va la ramener chez nous? C'est sympa sur le parking. Et puis là, accessoirement, c'est assez romantique. Est-ce qu'on va en trouver une un jour? Ouais, c'est ça, ne aussi, pas rentrer ouais. Bredouille. Oui. Oui, est-ce qu'on va ne pas rentrer bredouille? Fruitix qui nous demande, c'est quoi un enterrement de vie de garçon, Cédric? Bah, c'est en fait avant de te marier. Parce que quand tu mets quelqu'un dans la terre. Non, t'es dans une boîte. C'est un truc un peu plus joyeux. C'est en fait quand tu vas te marier, souvent c'est pas ma méthode. Pour les mecs et pour les meufs, c'est les copines qui font ça. Elles organisent une soirée ou genre une journée où genre ils font, je sais pas, des trucs, des délires quoi. Des... Ouais, en fait, c'est en gros la dernière journée de ta vie où tu t'éclateras. C'est ça. Avant de te faire passer la corde au cou. Donc en fait, tu fais plein de conneries, ouais, tu baises, tu bois, tu fais ce que tu veux quoi. Bon, alors j'ai lu un message pour la méthode de Cédric, j'ai lu un message pour la méthode de Romano. Paul, trop cool ta méthode. Romano. Eh ben, content que ça te fasse plaisir. Paul qui est très intéressé par baiser sur un parking de boîte ou dans des chiottes. Bon, ben c'est parti, on y va. Commence par toi, Cédric. Ouais. N'appelle des familles au hasard, tu dois les séduire. Que le meilleur gagne. Allez, c'est parti. Logiquement, en un coup de fil que ça se passe. Un coup de fil chacun, bien sûr. Bien sûr. Trop cool ta méthode, Cédric. Merci, allez. Merci. Rends honneur à Guigive, 15 ans, qui vient nous envoyer un message. Merci, Guigive, pour ton message. Allez. Et bonne chance. T'appelles qui? Qui? On rappelle. Je vais te dire. C'est Toré, la loose. Vas-y, Cédric. Hein. Ah bah, j'espère pas. Allô? Oui? Allô, Mickaël? Oui? Bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? Bah, je me présente, je m'appelle Michel. Et je vais bientôt me marier, là, dans une semaine et demie, je me marie. Et ce qui se passe, c'est qu'avant de me marier, j'aurais bien aimé m'amuser un petit peu avec, je sais pas, avec ta femme, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Je peux passer à la maison? Hein? Bah, je voulais venir à la maison ce soir, ça tombe bien. Ouais, vas-y. Ah bah écoute, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes, je passe juste à la pharmacie, là, je vais acheter des capotes, et puis j'arrive directement chez toi. Y'a pas de problème, bon, tout bah, va bien. Dis à ta femme de se préparer, puis à la limite, on pourrait même faire un truc à toi, tu vois. Ouais, y'a pas de problème. On va s'amuser à trois, on va faire un petit truc sympa, tu vas voir. Ben, je suis du genre à regarder, c'est bon. Ah, tu préfères regarder? Ouais. Bah à la limite, tu pourras filmer, comme ça me fera des souvenirs, tu vois. Ok, ça marche. Bon bah nickel, bah dis à ta femme de se préparer, puis bah moi je vais faire l'amour toute la nuit. Bonne nuit. Hein? Bonne nuit. Allô? Ah, je dis donne... allô 1. Hein, allô 1, hein, il se prend pour Nabila, je vous l'ai dit. Ça prend ah là, je sais pas, on me fait des signes. J'ai les mêmes seins qu'elle. Ah ouais? Ouais, non, elle est quand même plus bonne. Oh là, regarde, tu veux me toucher les seins? Non, ça va aller, Cédric. Tu gères Cédric pour Jules le parachutiste. Et voilà, tranquille. Bravo, Cédric. Juste en dessous, Jules du 02, soutien de Romano qui nous dit, mais pff,
Il y a rien là. Bah, si, il t'a trop pris pour un con, Cédric. Ça c'est le message de Evelyne. Trop fort le Belge. Beau gosse, beau gosse. Bah tiens, bien joué le moche. Nous dit Mehmet Lakaïra. Ah bah tu vois, regarde Mehmet Lakaïra. Ah, le chien, bah ouais. Manu. Ouais. Écoute. Bah toujours. Hein. Il envoie des messages avec ses pattes. Il a son iDog. Il a son iDog. C'est mon iDog. J'écris des messages. J'écris. Il soutient Cédric. Non, soutient son père. C'est bien. Bah, son... Pour le message qu'il vient d'envoyer, gros. Mehmet est dans le chien de Romano. Ouais, c'est mon chien, c'est Mehmet. Mehmet. On le salue d'ailleurs. Romano, ça sonne, tiens. Ce soir, je m'occupe du cul de ta femme. Sur le parking d'une boîte, ou alors. Ouais, bon, de toute façon, je la baise où elle veut, hein, moi. Tu sais, je suis. Ou alors dans les toilettes. Correct, quand même, comme garçon. Hein. Tu laisses le choix. Allô, ah, David. Allô. C'est qui? Hein? C'est Jean-Louis à l'appareil. Et Jean-Louis. Ouais, Jean-Louis. Dis-moi. Je connais pas Jean-Louis, alors ça va m'engonfler. Hein. Écoute, parle pas mal, bonhomme, parce que je vais venir, moi, là. Bah, viens quand tu veux, grand, c'est temps. Ouais, parce que je vais venir et je vais emmener ta femme en boîte et je vais la culbuter dans les chiottes de la boîte. Viens, enculé, bâtard. Ah, bah, écoute, j'arrive dans 5 minutes. Allez, viens, enculé. Et puis, je crois que je vais m'occuper de toi aussi. Tu sais où j'habite? Tu sais où j'habite? Tu veux mon adresse? Ouais, tu vas voir, ma bite, elle va être dans ton cul ce soir. Viens, j'habite au Druide, moi, viens. Ah bah, t'habites au Druide, ah bah, c'est parfait. Pas de problème. Je suis là dans 5 minutes, tu prépares. Et toi, t'habites où? Bah, je vais Astérix, dans ton cul, moi, j'habite dans ton cul. Ouais, bah, viens. Et surtout dans le cul de ta femme ce soir, je pense. Ouais, bah, ta sœur aussi. Oh, bah, non, elle viendra pas, elle. Moi, ta sœur, elle est meilleure. Eh bah, écoute, moi, j'arrive dans 5 minutes. Elle est meilleure, ta sœur. J'arrive dans 5 minutes et je m'occupe de ta femme et de toi. Trop du cul, oh, t'as pas de couilles, tu seras pas là, ouais. Eh bah, dans 5 minutes, je me pointe. D'accord. Eh ben et puis, on va voir, tu vas en prendre pour ton grade, mon salaud. Allez, viens, connard. Tu veux écouter ton trou du cul, peut-être? Tu veux écouter mon trou du cul? Non, pas besoin. Bien sûr, bah, dis bonjour. Quand on parle, ça sent la merde. Oh. Hey. Trou du cul de toi-même. Bon, trou du cul de toi-même. Eh, hey, ciao. A tout de suite. Face de prout. Voilà. Non, mieux. Eh, l'autre, c'est clash de l'insulte de la vanne à gogo. Super. Bravo. Quelle belle démonstration que vous avez fait tous les deux, là. Moi, je t'ai fait un serrage, et puis c'est autre chose que le belge, quand même. C'était pas un serrage, tu trouves? Ah, bah, c'est clair. Bah, Cédric. Le mec, il m'a dit de venir. Oui ou non? Trou du cul. Est-ce que t'es content de ton appel, Cédric? Ah, moi, ça va, tranquille. T'es content de ton appel, Romano? Est-ce que t'es content de ton appel? Ça va. Ça va, Voulez-moi, je suis en train de boire. Eh bien, on va faire le top 20 tout de suite pour voir ce que ça donne, puisque tout le monde il est content. Vas-y, pas de galère. Alors, pas de galère, c'est parti. Déclaration Cédric. Ouais. Bah, moi, ce soir, j'ai serré Mickaël. Mickaël, lui, il est plutôt voyeur. Moi, je m'occupais de sa femme. Le mec va filmer tranquille. Je vais faire des vidéos. Et bah, pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. C'est EDRIC 41759. Toutes les applications que vous voulez, n'hésitez pas. Je compte sur vous tous et vous toutes. Le seul vote à faire ce soir, c'est Cédric. Merci. Et maintenant, déclaration de Romano. Attendez-moi. Bah oui, on t'attend, bah, Romano, évidemment qu'on va t'attendre. Bah tu déclares ou pas là? Ouais, bah je déclare là. Ah, ouais. Vas-y, déclare. Romano. Voilà. Bon, c'était la déclaration. J'ai une petite merde de démarrage. Bon, ce soir, moi, je crois qu'il n'y a pas photo entre les deux prestations. Bah, moi, ce soir, il y a du sexe. Je m'occupe de l'homme, de la femme. Ce soir, votez Romano. Il m'a trouvé un petit surnom. Je m'appelle Face de Prout. Eh bien, n'hésitez pas à voter Face de Prout Romano. R-O-M-A-N-O, trou du cul. Appelez-moi comme vous voulez. Votez pour moi, R-O-M-A-N-O. Et ce soir, on lui montre Team Romano. Montrez-les. Envoyez des messages. Montrez, voilà. Montrez la puissance de la Team Romano ce soir. Je vous aime. Eh bien. Je vous aime. Allez, va prendre la parole. Romano. Bien dit, Cédric. Pas de musique normale, quoi. Bien dit. Tranquille. Et ouais, c'est comme ça, Romano. J'ai le résultat du clash à vous donner, là, tout de suite. Avant qu'on retrouve les grosses hontes qu'on s'est tapées. Tiens, ça va te calmer, ça. Ah ouais. Eh ben, pas tant que ça, Romano. Ah, merde. D'abord, je voudrais laisser toutes mes félicitations au nom de tous ceux qui ont voté, qui ont écouté tout à l'heure le clash. Un appel chacun, un serrage chacun. Ouais. Bravo. Merci, la Team Romano, merci. Alors, la Team Romano qui a voté ce soir. Ah. 55% pour Romano. Oh la putain, c'est bon. 45% pour Cédric. Échappée belle quand même. Victoire de Romano. Clash de la drague. Bien joué mon adversaire. Pour une fois, t'as fait un truc de potable. Mais je te baisse quand même. Oui, arrête de crier, Beyoncé, c'est pas grave. C'est l'amour. C'est l'amour. Elle est tranquille love pour fêter ta victoire, Romano. Merci Beyoncé, merci la Team Romano, merci tout le monde. Et vendredi. Et merci ma team le Belge aussi.
aussi. Clash spécial Halloween. Ah ouais. Wow. Soyez là vendredi pour notre spécial Halloween avec Annabelle la poupée. Ouais, je suis Annabelle. Oui, Skyrock, la seule radio qui a reçu Annabelle la poupée. Eh ouais, la poupée du film. Donc on s'en mettra la fois où elle est venue là. Et Karim commence déjà à avoir peur. Ouais, putain. Oh là, je tremble.